Léa, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis en Estonie en ce moment pour 6 mois et là je suis en quarantaine et en fait il faut que j'aille acheter quelques petites choses à manger parce que j'ai que du riz. Le riz basmati de base, voilà. Mais avec ça je vais pas pouvoir tenir longtemps. Donc c'est parti. J'ai acheté une brosse à dents parce que comme une débile, j'ai oublié la mienne chez moi. J'ai acheté des choses un peu healthy, histoire de voir si je suis capable de manger seulement pendant une semaine. J'ai acheté des pâtes, il y a du thé, j'ai pris 4 sortes de thé. Voilà, c'est mieux quand c'est comme ça, voilà. J'ai pris une petite bougie parce que bon, faut se remonter le moral et puis 10 jours... 10 jours de quarantaine, c'est sûr que bah, c'est mieux avec une bougie. Voilà, une petite bière pour faire comme dans les dramas coréens. Ceux qui connaissent savent. Je suis assez fière de moi parce que j'ai acheté des noodles. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner parce que je suis pas une pro en cuisine, mais j'ai hâte de tester quand même. Je vais quand même vous montrer mes favoris de cette journée de course. Même si on n'en a rien à faire. Non mais regardez-moi. Alors ça, c'est une belle bière. Et en fait c'est, je crois, hein, je suis pas sûre. J'ai vu ça sur un site internet. Je crois que c'est, il y a marqué original, mais je crois que c'est une pierre type... Je suis déjà ivre, avant même d'avoir bu. C'est une bière estonienne, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais goûter quand même, j'allais pas passer à côté de ça. C'est pas possible. Ensuite, je sais, c'est bizarre, mais n'empêche que voilà, c'est une patate douce, je crois. Parce que en estonien, enfin c'est compliqué de lire l'estonien, donc j'achète un peu les choses, vous voyez, au visuel quoi. Au visu. Donc du coup, voilà, j'ai acheté ça. Ça, je suis super fière. Et les gars, j'ai acheté ça. Je vais le tester. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Je sais pas si ça existe en France, parce qu'en fait j'ai jamais vraiment regardé. Mais le fait de voir ça en Estonie, ça fait plaisir parce que leur chocolat est pas très bon, vraiment. Voilà, et j'ai acheté ça. Vous croyez qu'il y avait du marron, mais en fait non, c'est de la noisette. Donc je m'attends au pire, mais vraiment genre au pire des pires. Alors que à la base j'étais hyper contente, mais voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Voilà. Et c'est pas exagéré, j'ai vraiment mis un quart d'heure à l'ouvrir. Je vous fais un haul herbe de Provence.
C'est parti. On voit plus.